Les vice-présidents commandant Nouo Bamba de l'Ordre du Mérite de la Communication et Dr Nando Aboué-Louis de l'Ordre du Mérite de la Poste et de l'Économie numérique ont procédé vendredi 15 juillet 2022 au cabinet du ministre de la Communication et de l'Économie numérique à l'UMEPSIAM au lancement de l'édition 2022. Ces ordres sectoriels récompensent les acteurs des secteurs de la communication et des médias, ainsi que ceux de l'économie numérique qui se sont distingués par leur travail et leur contribution significative au rayonnement des écosystèmes de la communication et de l'économie numérique. Le Conseil, sous le couvert du secrétaire de l'Ordre, réceptionne tous les dossiers de candidature, prépare la réunion du Conseil, le fait convoquer pour sa délibération qui doit tenir compte des critères de choix liés à l'âge, à l'activité, à la durée des services, à l'ancienneté du grade et surtout au respect du quota annuel. Ces conditions réunies procèdent de la nomination et de la promotion. Il est bon, avant d'être décoré dans les ordres nationaux, il est bon d'être décoré dans l'ordre spécifique. Ça veut dire que votre secteur d'activité vous a reconnu en tant que tel. En ce moment-là, on peut vous donner les médailles de l'Ordre national. Les dossiers de candidature sont recevables du 15 juillet au 31 août 2022 au secrétariat de l'Ordre et à l'inspection générale. Ce sont 40 personnes qui seront décorées dans chacun des ordres dans le mois de décembre lors d'une cérémonie unifiée dans les grades de commandeur, officier et chevalier.